Marvel. J'ai bien faim. Abonne-toi à ma chaîne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une petite vidéo assez sympathique. C'est une vidéo totalement chill, visite dans Tokyo avec le Louis qui est juste derrière. Et nous commençons bien évidemment par un Pokémon Center. Forcément. Bonjour. Bonjour. Orexaimas. Ouais, cette statue elle est ma préférée. Cette statuette. C'est une plus petite statuette. Non, cette statue, il est trop doux. C'est comment il s'appelle? Gros porc. Non, je sais pas. Regardez, que Coraidon. Coraidon. Par contre, ils sont vraiment beaux ceux-là. Mais bon, moi j'avais choisi plus Sacha. Oh, c'est un stylo à encre en plus. Oh non, mais c'est incroyable. Non. Hop là, c'est acheté. C'est une trousse à un stylo. Mais c'est vrai que tu peux pas mettre grand chose là-dedans. Non, tu mets un stylo. Alors que cette éponge Watt Watt. Pour nettoyer ta maison. C'était si cher. C'était cher, hein? Ouais, c'était cher de fou alors que j'ai pris un tout petit truc quoi. Enfin, trois tout petits trucs. Je pense que c'est la trousse. Ah, du cuir. Non, mais en fait, les trois trucs en fait, c'était... Enfin, ils sont pas donnés en fait. Hein. Ah ouais, je me suis fait. Ah, d'accord. C'est vrai qu'il y a une zone de jeu et pour pouvoir y jouer, eh bien, il faut mettre de l'argent. Mais moi, je peux me permettre de vous proposer une autre solution pour jouer à un jeu qui ne nécessite pas de mettre de l'argent. Vous pouvez en mettre si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que connaissez-vous Rise of Kingdom? Et quand on arrive ici, comme nous sommes au Japon, eh bien pourquoi pas commencer avec le Japon. C'est parti. Tout de suite la sponsor. Rise of Kingdom est un jeu free-to-play de stratégie basé sur l'histoire avec plusieurs civilisations, permettant aux joueurs de profiter des batailles d'équipes passionnantes à grande échelle. Vous avez le Japon, la Chine, la France, une douzaine de civilisations. Et ce sera à vous de faire le meilleur choix en fonction de la civilisation que vous allez prendre. Évidemment, il y aura des avantages et des inconvénients, et à vous de voir comment vous allez faire votre civilisation et comment vous allez l'agrandir. Plusieurs personnages historiques et célèbres connus sont représentés dans le jeu en tant que commandant en chef des armées, notamment Jeanne d'Arc, Alexandre le Grand, Jules César et bien d'autres. Vous avez la possibilité aussi de faire des alliances pour pouvoir vous renforcer et contrer l'ennemi, ou est-ce que vous allez vouloir vous la jouer solo et donc vous débrouiller tout seul? Ça, ce n'est qu'à vous de décider. Est-ce que j'ai pris le Japon? Peut-être. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour avoir toutes les informations du jeu et télécharger le jeu. Je peux vous dire qu'on peut y passer des heures. En tout cas, n'hésitez pas, c'est un excellent jeu. Vous avez le lien pour télécharger le jeu en dessous de la vidéo, ainsi que ce QR code à scanner et un petit code bonus. Tu m'emmènes dans un endroit super apparemment, Jill. Je t'emmène, Louis, dans un endroit typiquement japonais, des plus japonais possibles, okay. Pittoresque, etc. Venez avec moi. Nous sommes du coup sur ce magnifique restaurant italien. Qui est typiquement japonais. Mais il y a des choses qui ont l'air incroyables. Il y a même des stickers, regarde, c'est pour ça que je t'emmène là. Il y a écrit love dessus. Il y a love. C'est parti. Allez, alors moi je l'ai dit jamais assez, hein, mais quand vous venez au Japon, à Tokyo surtout, n'hésitez surtout pas à aller dans des restos qui ne sont pas japonais. On a beaucoup plus de restos italiens en France qu'au Japon. Je suis pas sûr, en vrai. Ah ouais? Je suis pas sûr, il y a tellement de restos italiens maintenant au Japon. Tu sais, des vrais restos italiens en France, on n'a pas d'encore. Il y a quoi comme pâte? J'avais pris quoi la dernière fois? Ah, bolo. J'ai pris bolognaise. J'ai hâte d'aller à l'aquarium là. Oui, oui, parce que là on va en fait au Sumida Aquarium. J'adore les aquariums, j'aime vraiment trop ça. Et on m'a dit que c'était au Japon qu'il y avait les plus beaux aquariums. Ouais, c'est vrai qu'il y a des vraies installations. Je mangeais pas toi. Oh la meuf. Quoi? Je serais pas fan d'une meuf comme ça? Meuf avec aucune règle de bienséance. Tu trouves quoi? J'ai bien faim. Hey, allez, vous allez, il y a trop pas. La pizza elle est toute mignonne ici, elle est toute petite, elle est très fine. En fait, c'est. Je sais pas comment dire, c'est sur. Mettez les ingrédients d'une pizza sur une pâte extrêmement fine. Et c'est ça. Bon appétit. Bon app. Ouais, bon appétit. Moi j'ai une chaîne au Japon qui s'appelle Kona, qui sert des pizzas pour 500 yens littéralement, pour 3,50€ quoi. Et encore. Et encore, ouais. Ouais, et c'est trop bon. Les miennes elles sont al dente. Ah ouais, elles sont limite en France, je pense qu'il y a des gens qui gueuleraient, tu vois. Très très bon. Bah c'était bien bon. J'ai trop mangé.
Oh. Tu as fait un truc, d'ailleurs, faut que je t'apprenne. On ne passe pas l'argent comme ça au Japon. Ah oui, on met sur la boîte. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle, elle m'a donné les pièces pourtant à la main. Ouais, mais bon, c'est entre guillemets, tu l'as fait, mais normalement, ça se fait pas trop de. Pourquoi c'est sale? Non, c'est juste, en fait, ouais, c'est juste un truc qui se fait pas trop au Japon. Du coup, on va au Sumida et après, on fera tout ce qu'il y a autour en fait, parce que c'est là où il y a la Skytree. Et du coup, il y a énormément de choses, dont un Pokémon Center, un Jump Shop, un Kirby Shop. Du soleil. C'est parti. On a trouvé des pâtisseries japonaises. Oui, des daifuku. Exactement, on Let's a vu. Go. Ichigo daifuku chocolat choco cream. Oui, j'ai bien parlé, hein. Bravo. Je pense qu'on va pas les manger tout de suite, on va attendre d'être à la Skytree. Oui, bien sûr. 850, ça fait 6 euros et quelques. Ça fait cher. Ça, pour ce que c'est, ça fait cher. Oh, c'est quand même de belles pâtisseries, elles sont garnies. Ouais. C'est quoi, c'est genre des petits pots pour mettre quoi? Du thé, je sais pas. On est où? On est au store de Totoro, enfin au Ghibli store plutôt, celui de la Skytree. Et genre, vous avez trop de trucs et je vais donc partir avec des choses que je vais acheter. Encore? Bah attends, regarde comme c'est beau. Bon. Ah, je crois qu'il avait la tête coupée, putain. Regardez cette victime là, elle achète tout. Je prends aussi pour mes parents, ma mère. C'est une excuse. Elle achète. Mais ça va, en vrai, je rigole, hein. Elle fait des dépenses qu'elle veut, en vrai, ça va, ça va. Alors, t'as acheté quoi? J'ai acheté, alors, ça c'est obligatoire, mais j'ai acheté un petit calendrier, c'est parce que je note en fait tout sur papier, ce que je dois faire, etc. Et j'ai acheté cadeau pour ma maman et cadeau pour Chouki, meilleur pote, et Marine aussi. Ok. Ah bref, voilà quoi. Et là, on va vous montrer cette merveilleuse Skytree et après, on ira trouver où est le... Ah non, tu vois, c'est Eastward Yard. Nous, c'était West. West et West. Et bah, ce sera de l'autre côté. Mais, c'est pas grave, okay. Mais ouais, bref, voilà. Allons-y. Après, on ira au Sumida. C'est rigolo parce qu'on a pris des photos avec les Daifuku. En fait, partout, ouais, j'en ai partout. Alors, j'ai même pas mangé. Non. Toi aussi, t'en as sur le masque. Ah ouais. Ouais. Alors, en gros, on a pris les photos avec Totoro et ça, je pense, ça rend bien. De toute façon, c'est certainement la miniature de cette vidéo. Pourquoi on a pris ça? Parce que... Oh. T'as vu, c'est un goût d'ananas. Je voulais vous présenter justement la fraise blanche. Et c'est un goût d'ananas. Maintenant elle est plus jolie. Ah merde, pour le gros plan. Ben, ils vont voir une croquée quand on va faire l'insertion. Le plan, ils vont voir un gros coup de croquée. C'est parti pour l'insertion. Arrête. Elle a eu peur. Là, t'allais croquer jusque là, moi j'ai croqué que là. Là. Non, moi je voulais l'arracher carrément. Voilà, tu vois, tu l'as croqué. Alors moi, il est au chocolat, crème chocolat cream. Est-ce que ça a vraiment goût ananas, comme dans mes souvenirs? Non, pas trop, je trouve. Je trouve que si, c'est complètement une ananas, un ananas. Ah, c'est vrai que c'est différent de cette fraise-là. Oh. Goût chocolat, je me demande ce que ça donne. Oh, c'est béni des dieux. Oh, c'est béni des dieux. Ouais. Un ananas pauvre, quoi. Comment ça, un ananas pauvre? Genre, il fait pas de la finance, du coup, il est pauvre. Le moutier est trop bon, il est tout punch punch. Il est bien punch punché, ouais. Je suis surpris parce qu'avant, c'était vraiment dur d'avoir des fraises blanches. Et maintenant, je trouve, j'en trouve de plus en plus, de plus en plus facilement. Comment ça se fait? Je sais pas. Non, mais comment elles se font? Ah, tu vois. Elle veut qu'on se tienne la main. On se fait comme ça, moi. Ouais, il ne tient jamais la main. C'est faux. Jamais. C'est faux. Sumida Aquarium, il est juste en face. Incroyable. Allez, monte là, monte ton fion. Regardez-le comme il fait le bulk là. Bon, mais n'importe quoi. Ah merde, je filmais ton cul. Super. Ticket. Mais attends, mais pour voir du poisson mort là. Il y a très peu de lumière. Ouais, c'est bien sombre et c'est ce que j'avais vu. Ça joue vraiment sur le côté sombre et lumière aquarium, quoi, entre guillemets. Oh, bien joué. Mangez bien à Noël, après c'est votre tour. Il y a un peu une vibe Team Lab. Oui, c'est exactement ce que je te disais, voilà. La musique, le côté couleur, posé et tout. Mais le foufou
furieux quoi. Vous ne voyez pas, mais vous allez juste nous entendre. Mais en gros, il y a un mec qui était dedans. Il y a 30 secondes. Il y a 30 secondes, ouais. Et on voit un énorme requin arriver de l'autre côté là. C'est bizarre. Ah, mais moi, jamais je fais un métier pareil. Louis, il m'a fait croire que ça, c'était des merdes de poissons. La preuve étant que ça bouge, donc ça ne sont pas des crottes de poissons. Le poisson qui chie ça, et ouais, même moi ça sort pas quoi, tu vois. Il est balèze, hein, sacrément balèze le poisson. Il a bien mangé à la cantine. C'est totalement un poisson clown, hein. Je pense que c'est pas... Juste il a oublié de se maquiller, enfin il s'est maquillé, il a mis le masque après quoi. Par contre, attends, c'est bizarre, pourquoi lui il s'est maquillé comme un poisson clown? Comme dans quoi? Animal Crossing. On en a dans Animal Crossing. Regarde, il rentre. Ah mais il y a aussi, regarde les coquillages là. Oh, il y en a un juste là. Mais oui, il y en a un. C'est rigolo, Jill est une enfant. Elle réagit à tous les trucs. Eh oui. Non, on dirait Krogmou. Krogmou dans Dragon. Attends, je vois. Il a des yeux de dragon en plus. Non mais c'est un dragon ça. Pas. Non, c'est vrai qu'il y a un côté très dragon. Je pense un requin. Hein. Et lui, il a abusé de la chirurgie esthétique. Ou il a sucé beaucoup de parents. Mais c'est juste des poissons. Enfin, on te voit pas, mais c'est pas grave. Ouais, dis-moi. On arrive dans la section Kingyo. Carpe koi. C'est ça. En France, quand on meurt dans des aquariums, etc., c'est toujours très bien protégé. Sauf que là, en fait, en France, ça n'arriverait jamais, parce que les gens mettraient leurs mains dedans. Ici, non. Mais là, c'est full open bar pour foutre les mains, quoi. Enfin, les gens ne le font pas, parce que c'est interdit, mais c'est juste pour dire l'accessibilité. Alors, faut savoir que Louis est très trop fan de peluche. Et là, c'est un peu... C'est tout doux. Ah oui, il est beaucoup trop fan de peluche. Sinon, celle-là est trop mignonne aussi. Le petit pingouin. Ah, il se fait manger le bras. Le petit pingouin est trop mignon. Un Nemo tout mochi mochi. Je sais pas comment vous expliquer, mais elle est mochi quoi. Oh, celle-là, elles sont trop bien, celle-là. Ouh, ça va repartir avec une peluche cette histoire. Oh, l'horreur, c'est quoi? C'est un sauf qui pousse. C'est le Pokémon sauf qui pousse. Le requin t'intéresse. C'est vrai qu'il est très mochi mochi. Mais je suis étonnée que t'aies pas pris lui, tiens, du coup. En fait, je suis moins fan des pingouins, en fait. Tu préfères les requins? Oh, il est trop gros. Enfin, du coup, celui-là, il est bon. Il est trop mignon. Entre lui et lequel? Les raies? Lui aussi, il est rigolo. C'est vrai que lui, il est rigolo. Il est rigolo. Bah, un chacun. Non, c'est trop. Oh, les tortues sont trop mignonnes. Elles sont trop rigolotes. Le requin? Je vais prendre le requin. Allez, prenons le requin alors. Pour la modique somme de 1980 yens. C'est joli, t'as des petites... regarde, les cuillères et tout. Non, franchement, ils sont très doués pour les textures. Ah ouais, j'avoue. C'est un mochi géant. Dans tous les trucs japonais, il y aura toujours un truc comme ça, tu vas voir. Parce que les gamins, ils adorent jouer avec ça. Trop... Ah ouais. Mais il est fou. Évidemment, vous avez toujours la section bouffe. Quoi, t'as envie de l'avoir? Bah, qu'est-ce qu'il a, lui? Petit pingouin. Abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne ou je te retrouve tout de suite. Allez. Tu veux des fossiles? Tu veux qu'on crée un terra? Une boule de main qui fait quoi? Je sais pas, mais requin. Ah, ça me fait peur du coup. Il y a des trucs dedans. Et en fait, tu peux avoir une des mascottes dedans. Ah, ça va. Tu veux qu'on invoque Ammonita? Ammonita, les gars. Bon, et là, t'as tous les bouquins, les fameux bouquins, du coup, pour l'éducation, blablabla, quoi. C'était très cool, cet aquarium, là, franchement, on a kiffé de ouf. Ouais, c'était très joli. Franchement, c'était vraiment très, très beau, je recommande de ouf. C'est vrai que c'est un petit peu cher, mais... C'est un peu cher, mais tu y restes quand même pas mal de ouais, temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est sympa, en vrai. Vraiment, et là, là, on va essayer de faire patin à glace. Oui, on a vu un truc de patin à glace là-bas. Et enfin. Ah, la skaterie, trop bien. Ouais, let's go. Voilà, c'est parti. Alors, moi, j'en ai pas fait depuis super longtemps. Ah ouais? Ça passe? Ça passe. Ça va, t'es à l'aise? Ça va. Ça va, ça passe à moitié quand même. C'est douteux, mais. Vas-y, fais un petit tour là. Bah nickel! C'est difficile! Ça va, c'est trop bien! Ouais, ça va! En tout cas, c'est cool d'avoir une patinoire à cet endroit là! Bah, et surtout qu'il y a zéro personne quoi! Ouais, il y a vraiment très peu de gens là! Alors, c'était un peu cher aussi hein! Ouais! Enfin, 2 000 yens par personne à peu près, donc ça fait 1 000 yens! Tu peux y rester autant de temps que tu veux? C'est vrai! Donc, si tu te fais une bonne heure, bon! Ouais! À ton tour de te faire humilier! Oh, bah... Non, ça va! Bon, c'est un petit moment qu'on fait des tours donc! Vas-y! Regardez-le, cette tasse de la glace!
Bah, bien joué. Ça y est, nous avons terminé cette petite journée, donc du coup par la patinoire. Et quelle déception. En fait, on a pu en faire, hein. Vous avez vu, on a pu en faire. Oui, c'est juste oui. que. Gants obligatoires. Oui. Interdiction de sortir le téléphone sur les. Ouais, alors qu'en France, moi chez moi, on peut. En voilà. fait, c'est genre, en France, c'est plus à tes risques et périls, si se pète, c'est de ta faute oui, et on ça, y est pour rien, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à l'entrée, ils nous ont demandé du coup, votre caméra, c'est pour YouTube et tout. Et la manière dont ils l'ont dit, je me suis dit, peut-être qu'ils sont un peu enjoués, donc du coup, peut-être qu'il y a une réduction ou un truc comme ça, tu vois. Non. C'est juste en mode, ah ouais, bah du coup, il faut demander une autorisation, donc interdit. Quand j'ai accepté le truc, c'est, il m'a dit, ok, les règles de la patinoire, très bien, vous avez le droit de circuler uniquement sur le sens inverse des aiguilles d'une horloge. Uniquement en vous tenant machin et tout, les dépassements se font uniquement, enfin, tu sais, t'as un code de la route, quoi. Ah ouais, les ah dépassements, ouais, et moi j'ai dépassé comme... t'as un code de la route du truc, tu vois. À un moment donné, tu sais, j'ai oublié de mettre mes gants, clac, le mec, il est arrivé en 2-2, ouais, faut remettre tes gants et tout, enfin, c'était... C'est le Japon, c'est le fun, mais quadrillé. Le fun, c'est après. Non, ça va, on a pu en faire. Par contre, c'était oui. vraiment chiant. Mais voilà, du coup, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ce petit vlog, ma foi, fort sympathique, vous a plu. Celui de la semaine prochaine va être très cocasse, parce que je vous emmène en date surprise, monsieur. Vous ne savez pas du tout ce qui se passe toute la journée. Il y aura des choses incroyables, comme des choses pourries. Mais ne vous inquiétez pas, ça va être pépite. Donc voilà, n'hésitez pas à pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine et tchuss, c'est ça?